vivre avec Christ. Ça, c'est bien. Et je crois même que j'ai vu quelques vidéos de ce camp, notamment les vidéos promotionnelles où il y avait des visages connus qui étaient dans une jungle. J'ai découvert qu'à Écouen, il y avait la jungle, maintenant. Et tout ça pour dire que, c'est vrai, on n'en finit jamais d'explorer la vie chrétienne et ce que le Seigneur, ce à quoi il nous appelle dans toute notre vie. Alors, je vais essayer de faire un petit peu la suite. Et il y a quelques années, je faisais quelque chose d'évangélisation avec un collectif d'artistes qui s'appelle Majestar. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu. Avec Gospel on Walls aussi, c'est des gens qui font des graffitis sur les murs. Et une fois, ils avaient fait un tag qui c'était « La Bible a les meilleures punchlines ». Franchement, j'ai vu ça, j'ai dit « Bon, c'est cool, mais franchement, ce n'est pas vrai, quoi. Il y en a d'autres qui en ont des meilleures, peut-être ». Eh bien, le texte que je vais méditer avec vous m'a donné complètement tort sur cette question-là. Je vais lire avec vous, je crois que le texte va s'afficher aussi, comme ça vous pourrez suivre. C'est un texte de l'Ancien Testament. Alors, il faudra être sympa avec moi, il faudra se dire, je vais vous expliquer un petit peu ce dont il est question. C'est un texte du prophète Joël, au chapitre 2, et je vais lire simplement quelques versets, les versets 12 à 17, mais ça va nous situer un petit peu dans ce qu'on veut étudier aujourd'hui. Donc, Joël 2, versets 12 à 17. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait ? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel. Qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. N'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? Alors vous l'avez deviné peut-être, la punchline que j'ai vue, c'est « Déchirez votre cœur et non vos habits ». C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit quand même une société où on aime bien ces phrases fortes. On aime bien, moi j'en ai plein mon feed sur Facebook ou sur Instagram, tout ce que vous voulez. Vous savez, les versets incrustés sur une belle photo, comme sur celle-là, elle va arriver, voilà, déchirez votre cœur et non vos habits. Franchement, c'est une parole forte du prophète Joël. Et donc, tous ceux qui cherchent la bonne formule n'ont rien inventé. On faisait ça bien des années avant la naissance de Jésus-Christ. Et malgré les siècles qui nous séparent, et j'en suis bien conscient, malgré toute la différence qu'il y a entre ce que vit le peuple d'Israël et ce que vit le prophète Joël, et nous tous, jeunes et moins jeunes du 21e siècle, il y a quand même quelque chose à en tirer. Alors, peut-être que pour comprendre quand même la parole, et vous verrez, ça va prendre 2 secondes, il faut aussi comprendre dans quel contexte cette parole-là est prononcée. Le prophète Joël, et Joël, c'est un mot, il y en a qui s'appellent Joël ici ? Je sais qu'il y en a au moins un. Si, il y en a un là-bas. Il y a au moins un Joël. Et Joël, ça va s'afficher aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « L'Éternel est Dieu ». Voilà ce que veut dire cela. Et il écrit, après que le peuple d'Israël ait connu bien des fléaux. Et le fléau, ça a été une invasion de sauterelles et une sécheresse qui font que toutes les récoltes ont été perdues. Et Joël prédit même que les générations à venir se souviendront de cette catastrophe. Et vous savez qu'on se souvient des catastrophes. Alors vous êtes jeunes. Je suis un peu moins, ça va vous donner une idée de ma génération. Mais on vit dans un monde qui, pour nous, en tout cas pour moi, qui était jeune dans les années 2000, un petit peu avant, on vit dans ce qu'on appelle un monde post-11 septembre. Et vous savez ce que c'est quand même ? Le 11 septembre, c'était les attentats du World Trade Center. Une catastrophe, des grandes choses comme ça qui nous frappent, ça frappe l'inconscient de toute une nation. Et Joël,
lui avertit le peuple pour lui dire que la plaie des sauterelles, la sécheresse qui les a laissés tant en souffrance, n'était qu'un avertissement. Et qu'un jugement plus sévère encore, plus menaçant, allait venir si le peuple ne revenait pas à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Joël ne pointe pas tous les péchés du peuple. Et Dieu ne va pas pointer chacun de vos péchés, ceux auxquels vous pensez, là, vous savez, en ce moment, « Oh là là, mince, je devrais faire gaffe à ça, ça, ça et ça. » Joël insiste sur le fait qu'un jour, le Seigneur va revenir. Le Seigneur va revenir, et ce jour-là, il le dit, sera un jour terrible. Pourquoi ? Parce que, et je pense qu'on vous l'a dit dans les camps PDV, qu'on vous le rappelle sans doute dans vos églises, Dieu est un Dieu saint. Et la sainteté de Dieu, le fait qu'il est tout autre que nous, est la raison fondamentale pourquoi il va juger le péché plus tard. Alors, Alex l'a mentionné, si vous êtes en Christ, et c'est peut-être le cas de plusieurs parmi vous cet après-midi, on m'a déjà vanté plusieurs fois le côté un peu mythique du feu de camp à PDV. Alors, et c'est important de savoir, si peut-être vous avez pris un engagement avec Dieu réel et sincère, alors Dieu a placé dans votre cœur non seulement la volonté de le louer comme vous l'avez bien fait, mais aussi la volonté d'être saint. Il a mis dans votre cœur une soif de sainteté. Vous avez à cœur de montrer dans votre vie, je l'espère, que vous êtes à part. Vous êtes jeune, donc du coup, déjà, vous êtes, dans toutes les études sociologiques possibles, des êtres à part. C'est plus mon cas depuis longtemps, enfin depuis quelques temps. En tant que jeune chrétien, vous êtes encore un peu plus à part. Pourquoi ? Eh bien parce que dans votre vie, vous avez déjà fait un choix important, celui de vouloir marcher à la suite de Jésus-Christ. Et normalement, et là je vous donne un petit truc, si vous luttez contre un péché, la solution ce sera jamais plus de discipline, mais ce sera toujours plus d'amour pour Dieu. Donc si vous êtes en Christ, vous êtes à part, et la sainteté, le fait d'être à part justement, c'est l'étymologie de sainteté, n'est plus une corvée, mais au contraire. C'est comme on l'a chanté dans les chants, la redécouverte d'une vie pleine et entière. Est-ce que vous croyez peut-être que la décision que vous avez prise, ou celle pourquoi vous vous posez des questions en ce moment, peut-être que vous dites « j'hésite quand même », c'est un appel à une vie libre et pleine, une vie entière. Si vous êtes en Christ, si vous voulez vivre selon sa parole, vous n'êtes plus simplement considéré comme juste en lui, mais vous aspirez aussi à être juste comme lui. Votre modèle, finalement, aujourd'hui, c'est Jésus. Alors des fois c'est difficile, mais moi j'ai ce qu'on appelle à l'église de Bouffémont la théologie du zigzag. Vous savez, vous avez un point A, un point B et une ligne droite, c'est Jésus-Christ qui fait ça. Et nous, on zigzague sur cette ligne. Des fois on est très proche et on se sent très très proche de Dieu, très très proche de Christ, bien dans sa volonté. Et des fois, on est très très loin. Et le but c'est de revenir pour arriver là où Dieu veut nous emmener. Vous voulez être saint comme il essaie. Vous avez compris que Dieu vous aime alors que vous êtes encore loin d'être parfait. Et vous savez quoi ? Alors j'espère que vos pasteurs vous en diront pas l'inverse, mais Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Dieu vous demande d'être juste. Et juste, c'est pas la perfection. Juste, c'est rechercher Christ en toute chose et quand on s'éloigne, se repentir sincèrement. Déchirez votre cœur et pas vos habits. Alors, en méditant cette parole, j'ai pensé à un autre verset qui va apparaître, c'est la diapo 8. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il y en a quand même qui connaissent ce passage-là. Franchement, attendez, les gens l'ont parfois même tatoué sur leur dos, vous savez, sous une autre forme, c'est « Only God can judge me ». Vous en avez vu,
quand ils n'ont pas une faute d'orthographe. En plus, c'est encore mieux. Only God can judge me. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On l'aime bien ce verset, non ? L'Éternel regarde au cœur. Franchement, lui, il me connaît. On l'aime ce verset, on l'utilise très souvent, un peu comme une justification. Et peut-être même avec un peu d'orgueil. En gros, ça veut dire, ouais, qu'est-ce que tu connais de moi, toi ? Tu ne peux pas me juger. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors vas-y, bouge et laisse-moi tranquille. C'est pas la vérité ? Quand vous dites à quelqu'un, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parfois, on l'utilise simplement pour se justifier, pour dire, t'as pas à me juger finalement. Quel regard tu as sur moi ? Ou alors, on l'utilise parfois un peu lâchement, vous savez, avec nos amis. Ceux qui sont très proches de nous et on sait que franchement, ils font n'importe quoi. Mais on n'ose pas trop le dire. Alors on dit, bah, tu sais, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. T'inquiète, c'est pas si grave, finalement. On a vite fait de l'utiliser un petit peu comme excuse, ce verset, non ? Vous y repenserez maintenant chaque fois que vous allez l'entendre. Ouais, l'Éternel regarde aux yeux, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Combien de fois dans ma vie, en tout cas moi personnellement, et là je me livre devant vous, je me suis dit, franchement, c'est pas si grave. Je me demande même si, pour nous, les adultes parmi nous, les adultes parmi vous cet après-midi, on ne le dit pas plus souvent que vous. Vous, il vous arrive un truc, vous faites un truc qui est complètement à côté de la volonté de Dieu, et vous le savez, vous allez peut-être vous dire, wow, c'est super grave, je vais aller en enfer, c'est terrible, le jour du Seigneur est terrible. Quand on grandit, on se dit, c'est pas si grave que ça. Puis on se dit, bon, ça va, Dieu est amour, la grâce, pouf, tout ça, et ça passe. C'est pas si grave. Ça, c'est ce que me disait ma maman, hein, c'est ce que je dis à mes enfants aussi, quand ils renversent quelque chose, je dis, wow, c'est pas si grave. Joël, le prophète, quand il dit « déchirez vos cœurs et pas vos avis », finalement, il dit « et si ça l'était au fond ?» Si pour une fois, et c'est ce que je suis venu dire devant vous cet après-midi, on disait la vérité et la réalité des choses. Le prophète, il parle souvent du jour du jugement, un jour lointain, ce jour que Joël et les autres prophètes, hein, désigne comme un jour terrible. Alors, je ne veux pas vous affoler en cette fin d'après-midi, mais Joël appelle aussi ce jour un jour de ténèbres et d'obscurité. Et il dit, diapo 10, qui pourra le supporter ? Et la réponse, elle semble évidente. Personne ne pourra supporter de voir Dieu face à face. Personne ne sera capable de résister au Seigneur quand il viendra juger tout le mal et toute désobéissance. Joël avertit le peuple et lui dit « Ce jour-là, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il arrive. » Et c'est une raison plus grande encore que les sauterelles ou que la famille pour vous inciter à vous repentir. Et vous savez le miracle qu'il y a déjà dans l'Ancien Testament ? Alors souvent, peut-être qu'on va vous prêcher la grâce à partir du Nouveau Testament et à partir de Jésus-Christ. Mais sur le tableau sombre que présente Joël du peuple, il y a ce merveilleux message de l'Évangile qui rayonne déjà, celui de l'amour de Dieu. Au verset 12, il dit « Maintenant, encore ». Le Seigneur le dit dans l'Ancien Testament déjà. Il n'est pas trop tard pour implorer son pardon. Et je l'ai dit, la sainteté de Dieu est une des raisons fondamentales du jugement final du péché. Mais Dieu est aussi ce Dieu qui est miséricordieux et qui épargnera du jugement tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance et dans la foi. Alors vous savez comment on exprimait le remords à cette époque-là, quand on avait vraiment un problème, eh bien on déchirait ses vêtements, on s'asseyait et on se versait de la cendre sur la tête. Mais Dieu ne veut pas simplement de cette marque-là pour le peuple, et il ne veut pas non plus pour nous d'une marque extérieure de repentance. Et c'est pour ça qu'il déclare « déchirez vos vêtements ». Déchirez votre cœur et non vos habits. En gros, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il nous redit ce soir ? Qu'est-ce qu'il redit à toute notre génération, à toutes nos générations ? Vivez une foi sincère. Et ça, c'est l'enseignement cet après-midi. Vivez une foi sincère.
là où elle en est. Soyez honnête dans vos sentiments, soyez honnête, et vous l'aurez tout à l'heure, dans vos questionnements, soyez honnête aussi dans vos manquements. Quand vous vous dites, mince, là j'ai fait une bêtise, mince, là je suis très loin de la volonté de Dieu pour ma vie, soyez honnête enfin dans votre amour pour l'Éternel. Est-ce que c'est difficile de déchirer un t-shirt ? Oui ou non ? Bon, qui est d'attaque pour déchirer un t-shirt ? Allez, ben viens ! Alors attention, on va voir et on va l'applaudir. Regarde où tu veux, je t'ai facilité la tâche, je t'ai pris un colvé, tu vois. Est-ce que c'est facile de déchirer un t-shirt, oui ou non ? Non, c'est pas difficile. On va voir, il a intérêt à y arriver tout de suite. Vas-y. Vous voyez ? Vas-y, déchire. Ouais, mais c'est bien, on a vu. Franchement, regardez, ça c'est un beau gosse, ça. Déchirez vos habits. Déchirez votre cœur et pas vos habits. Merci beaucoup. Si t'as besoin de chiffon, ou ta mère aussi, il est propre, tu peux prendre. C'est pas un problème. C'est pas difficile de déchirer un t-shirt. Non, tu pourras le jeter après, tu sais, je tiens pas à le récupérer. Déchirez votre cœur et pas vos avis. En gros, ce que dit le Seigneur, et ce qu'il vous dit à vous peut-être qui êtes là, c'est « Je ne suis pas dupe de toute ta religiosité. » Tu vas au culte tous les dimanches et c'est une bonne chose. Mais l'Éternel dit « Si c'est simplement de la religion, si c'est simplement quelque chose où tu vas parce que tes parents t'ont dit que tu es allé ou parce que tu as reçu un SMS du moniteur de PDV qui t'a dit « Putain, tu es allé au culte ces derniers temps, là ?» Mince, j'y suis pas allé, il faut que j'y retourne. Moi, je suis... Votre foi, elle ne progressera pas si elle est remplie que de « il faut que ». Ça doit être motivé par de l'amour et de la sincérité. Et donc, ce verset, vous en souviendrez, je pense, « déchirez non pas vos habits, mais votre cœur », ce verset, il m'interpelle et il m'encourage à quoi ? À être vrai dans ma foi. Franchement, être vrai dans sa foi... C'est beaucoup plus difficile que d'être un mec ou une nana qui déchire tout simplement parce qu'il a des beaux habits, parce qu'il est bien, parce qu'il y a tout ça. C'est beaucoup plus difficile d'être cohérent dans sa vie tous les jours que de se la raconter avec le nombre de camps PDV qu'on a fait ou alors parce que, et c'était vraiment chouette, j'ai vraiment apprécié, même si je suis sourd, de vous voir debout sur les bancs en train de chanter. Ça, franchement, comme l'a dit Alex, on est tous ensemble, c'est hyper simple. Même pour moi, c'est simple de prêcher, là. De vous dire une réalité, de dire « Ça va, les gars, là-bas, avec le t-shirt sur la tête, est-ce que t'es prêt à le déchirer ou pas ?» Non, je rigole, no offense, je faisais la même chose que toi quand j'étais jeune. Croyez-moi, soyez honnête avec Dieu. Franchement, dites-lui « Seigneur, franchement, je comprends pas ce que tu veux me dire, là. Seigneur, tout ce qu'il raconte le mec, là, devant, c'est n'importe quoi et j'y comprends rien. » Seigneur, ta volonté ou ton action dans ce monde ou dans ma vie, franchement, je vois rien du tout. Je sais pas pourquoi. Soyez honnête avec Dieu, soyez intime avec lui. Parce que pourquoi ? L'honnêteté avec le Seigneur. Seigneur, franchement, j'ai foiré sur ce coup-là. Je suis très loin de toi. Soyez honnête avec Dieu parce que l'honnêteté va produire de l'intimité. L'honnêteté, quand vous êtes honnête avec quelqu'un, ça conduit à l'intimité. Plus je suis honnête avec quelqu'un, plus ma relation va grandir avec l'autre. Vous avez sans doute des amis à qui vous racontez un petit peu tout. Et franchement, ce n'est pas les gens avec qui vous direz « Ouais, ça va, tout va bien ». C'est les gens avec qui vous partagez des moments. C'est des gens qui ont été là, qui ont peut-être vu un moment où vous étiez vulnérable et qui sont là. Et c'est pareil pour moi. C'est vrai avec mon épouse, plus je suis honnête avec elle, plus l'intimité va se créer. C'est vrai avec mes amis, c'est vrai avec Dieu aussi. Ne faites pas des « il faut que ». Soyez honnête avec le Seigneur. Dites-lui, là franchement Seigneur, je ne te suis pas parce que je ne comprends pas. Vous vous êtes planté. Vous savez le nombre de personnes qui sont plantées quand vous lisez la Bible ? Qu'on fait complètement à côté. Et pourtant...
Le Seigneur utilise, le Seigneur fait grandir encore son œuvre, et le Seigneur dit, la repentance est possible, elle est toujours possible. Et c'est ça le mot important. Revenez, revenez à moi, déchirez votre cœur et pas vos habits. La repentance est toujours possible. Et le mot important là, c'est toujours. Peu importe là où vous êtes loin de la ligne fixée par le Seigneur, la repentance et le retour est toujours possible. Et c'est possible, pourquoi ? Parce que, vous l'avez chanté, Dieu est amour. Alors, je ne sais pas si Dieu est amoureux de moi, mais sans doute qu'on peut le chanter finalement, puisque Dieu m'aime d'un amour incroyable, puisqu'il m'a voulu. Tout est possible parce que Dieu fait grâce et il est compatissant. Je demande à Alex de passer la diapo 14. J'ai vu qu'on était un peu à la bourre, donc j'essaie de rattraper. Je lis un petit bouquin en ce moment, qui est un vieux livre, qui s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ ». Et il dit, à un moment, livre 2 au point 10, « Toujours nous cherchons quelque soulagement et difficilement l'homme se dépouille de lui-même. » Ça veut dire en gros que très souvent on se cherche des excuses, c'est pas si grave, mais très rarement on est prêt à faire des efforts pour que ça change. C'est tellement vrai. Je sais pas comment vous lisez votre Bible. Alors je sais qu'il y a une super appli PDV aussi, qui s'appelle Connect, je crois, où vous pouvez choisir là-dessus, vous avez YouVersion, vous avez plein de trucs qui sont là. Mais qu'est-ce qu'on cherche ? Souvent on aime bien et souvent on va illustrer des versets qui vont nous faire du bien. Moi, les versets qui me plaisent le plus dans la Bible, eh bien, c'est ceux qui me mettent un petit peu mal à l'aise. Parce que c'est là-dessus que je peux travailler finalement. Si je cherche que les trucs qui vont me conforter, finalement, je ne vais pas en trouver tant que ça. Parce que la Bible, et lire la Bible, c'est inconfortable. Quand je la confronte sincèrement avec ma vie, quand je la confronte sincèrement avec mon cœur, ce que Christ me demande, et n'allez pas me dire l'inverse, c'est souvent tellement loin de ce que je vis concrètement, quotidiennement, dans ma vie avec ma famille, dans ma vie au lycée, dans ma vie partout. Le Seigneur me demande plein de choses, et moi, quand je regarde ma vie, je me dis, mais Seigneur, je ne suis pas à la hauteur du tout de tout ça. On sait qu'on doit être saint comme Dieu est saint, à part. Mais notre envie de l'être, et peut-être que vous avez tous et toutes envie d'être vraiment des chrétiens, et la maturité n'attend pas le nombre des années, d'être des chrétiens engagés et qui savent faire les choses et qui les font bien. Peut-être que ça se heurte à la réalité, comme Paul, le bien que j'aimerais faire, c'est pas celui-là que je fais. Peut-être parce que notre vision de Dieu est rarement équilibrée, comme notre compréhension aussi de la sainteté. Finalement, on va parler pratique et concret. Comment est-ce que je peux grandir dans la sainteté, dans ma vie de foi? Comment est-ce que je pourrais passer peut-être de prières un peu distraites, vous savez, aujourd'hui c'est dimanche, je vais prier un coup, à une vie qui est caractérisée par une prière constante? Comment est-ce que mon orgueil va se transformer un petit peu en simplicité? Comment je peux ressentir au plus profond de mon être que Jésus-Christ est ce qu'il y a de plus important dans ma vie? Dieu nous enseigne comment est censée se manifester notre sainteté partout dans la parole. Et pourtant, on oublie trop souvent une leçon essentielle. La sainteté, ça débute dans les petites choses. J'ai pris un texte, un autre. C'est l'apôtre Paul en Éphésiens qui parle de la nouvelle vie en Christ. Et il dit simplement, finalement, voilà comment vous allez être mis à part. Comment on va savoir que vous êtes mis à part? On pourrait penser que Dieu nous aime d'un amour tellement incroyable que notre réponse doit être une réponse incroyable. Vous savez, un des grands défauts des chrétiens, c'est de dire, tu t'es converti, alors il faut que tu changes comme ça. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais changé comme ça. Bon, j'ai la tête un petit peu dure, Ceux qui me connaissent savent que j'ai eu les cheveux bleus, verts, rouges, les habits tout déchirés, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Et moi, on ne me change pas comme ça, moi. Et trop souvent, on se dit, s'il se convertit, alors il change comme ça, immédiatement. Mais non,
Le chemin avec le Seigneur est une longue marche. Et peut-être que vous vous dites, mais je n'ai pas changé assez. C'est pas grave. Le message que vous recevez cet après-midi, c'est commencez là où vous en êtes. Ayez confiance de là où vous en êtes. Et finalement, dans l'Épître aux Éphésiens, Paul va appliquer l'Évangile à l'ordinaire et au quotidien. C'est la diapo 16, Alex. Tu peux mettre... Alors, j'ai mis plusieurs choses. Et il commence en disant, disons la vérité dans l'amour. Donc, en gros, être chrétien et grandir dans la sainteté, c'est se dire la vérité. Et dire la vérité. Ça vous paraît dans vos cordes ? Ils sont tous très honnêtes. Personne n'a dit oui. Ça veut dire qu'en gros, je suis devant des gens qui se disent, bon, le mensonge, c'est pas si grave que ça. Bon, bah, très bien. La première chose pour grandir, c'est se dire la vérité. Ensuite, il faut se réconcilier rapidement. Facile, ça ? Non, c'est pas facile non plus. Peut-être pour certains, mais c'est pas les plus nombreux. Pardonnez rapidement. Ensuite, travaillez honnêtement. Réfléchir à ce qu'on dit. Cultiver la bonté, avoir le cœur bon et tendre. Tout ça, finalement, ça paraît assez simple. Je veux dire, concrètement, ça, c'est la volonté de Dieu pour votre vie, hein. N'allez pas la chercher beaucoup plus loin. Aimer Dieu, aimer son prochain. Pour aimer son prochain, eh ben, je lui dis la vérité. Ben, quand il fait une bêtise, je me réconcilie le plus rapidement possible avec lui et je pardonne. Je travaille honnêtement. Je fais tout pour la gloire de Dieu, simplement que je sois pasteur, évangéliste, missionnaire, ou que je sois chauffeur de bus, ou que je sois plombier, ou tout ce que vous voulez. Je cultive la bonté et j'ai un cœur tendre. Ça, c'est plus dur. Et je réfléchis à ce que je dis. Prenez le temps d'y réfléchir hein, dans les semaines à venir. Là. Vous voyez, vous prenez Éphésiens 4, à partir du verset 15, vous relisez ça et vous vous dites, voilà la volonté de Dieu pour moi, maintenant, cette année, comment je vais grandir. Je vais essayer de dire la vérité plus souvent. C'est déjà une bonne chose. Ce sont souvent les petites choses qui vont me demander de déchirer mon cœur de pierre, pour en faire un cœur renouvelé. Alors, voilà, hein, souvent, ben le fait qu'on devient... Alors, j'aime pas du tout l'expression « bon chrétien », ça doit être inventé par les églises. Il y a des chrétiens qui on essaye du mieux possible de faire la volonté de Dieu. Notre sanctification et la manière de grandir, ça va se cacher dans des petites choses. Franchement, venir ici à un recharge, c'est super parce que vous venez chercher du boost pour votre foi. Mais là où ça va compter, c'est quand il n'y aura plus personne pour vous voir chanter. Il n'y aura plus personne peut-être pour vous voir vivre, mais vous, vous saurez. Parce que vous avez été dans la parole, vous avez vu telle chose, telle chose, telle chose. Voilà, j'ai grandi à ce niveau-là. La sanctification, elle se cache dans l'aujourd'hui et pas dans le demain. Ça commence maintenant avec ce que vous pouvez faire. Et donc, du coup, chercher à être saint, c'est facile. Et en même temps difficile, c'est facile parce que la croissance, je l'ai dit, ça se fait souvent progressivement. Et c'est difficile parce que maintenant, j'ai envie chaque jour et dans tout ce que je fais et dans tout ce que je vis de grandir dans celle-ci. Et la sainteté est cachée dans les choses ordinaires. Et c'est tâche pour chacun et chacune d'entre nous, tout ce qu'on peut faire autour de nous. Alors, on a vu dans le passage de Joël plein de choses. Et moi, je vais revenir aux Éphésiens, aux Colossiens après. Mais si il dit dans le texte, faites venir même les femmes qui ont des nourrissons, même les prêtres, tout le monde, c'est parce qu'il ne faut pas que l'Éternel permette que son peuple devienne un objet de moquerie. C'est intéressant de réfléchir à ça. Si je dis je suis chrétien et que je fais complètement n'importe quoi à côté, c'est pas de moi qu'on va se moquer parce qu'on va se dire, ouais, de toute façon, il pense pas. Mais c'est de Dieu qu'on va se moquer. Ah ouais, vraiment ? Si ton Dieu il te permet de faire ça, ou voilà, il ne veut pas que son peuple devienne l'objet de moquerie. La question que vous pouvez vous poser des dizaines de fois par jour n'est peut-être pas ce que Dieu pourrait vous faire faire dans 10 ans, mais plutôt... Est-ce que je vais déchirer mon cœur maintenant ? Diapo 22, Alex. Est-ce que je prends la décision cet après-midi dans ce recharge d'obéir à Dieu maintenant, en ce moment ?
C'est ce que demande déchirer votre cœur et non pas vos habits. Alors, et ce sera mes derniers mots, où est-ce qu'elle commence, cette quête? Et c'est C.S. Lewis, peut-être que vous le connaissez dans un de ses bouquins qui s'appelle « Lettre à Malcolm » qui dit « Commencez où vous êtes ». Franchement, n'attendez pas d'être très loin, mais commencez dès maintenant, là où vous en êtes. Vous avez peut-être fait une super expérience au camp PDV, vous avez pris une belle décision, et puis boum, ça fait quoi, 2 mois et demi qu'on est rentré, même pas? Et puis ça devient plus dur hein, dans l'ordinaire de la vie. C'est pas grave. Repentance est toujours possible, retour à Dieu toujours possible. Commencez là où vous en êtes. Je crois que il est là le secret. Et je crois que le principe s'applique à notre obéissance. Vous savez, ce verset de Luc 16, verset 10, c'est la diapo 24. Celui qui est fidèle dans un très petit nombre, on lui confiera des grandes choses, ou alors il est également fidèle dans beaucoup de choses. Et je crois qu'à quelques exceptions près, c'est vrai, seuls ceux qui ont d'abord appris à être fidèles dans les petites choses peuvent l'être dans les grandes. Les petites choses, le quotidien, votre vie, au lycée, dans la famille, là où vous êtes, c'est le meilleur terrain d'entraînement pour les choses peut-être plus grandes auxquelles vous appellera le Seigneur. Alors, je vous inviterai juste à faire confiance à Dieu cet après-midi, si peut-être notre journée ne se passe pas comme prévu, si peut-être les prochains jours que vous allez vivre, ils ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, mais ça va vous entraîner. Faites confiance à Dieu, même là-dedans, ça vous entraînera à faire confiance pour des choses plus grandes. Parler de Jésus simplement, il y en a qui vont le faire peut-être tout à l'heure avec le petit « dare to share » comme on dit. Parler de Jésus simplement avec ceux qui sont autour de vous, ça vous prépare peut-être un jour à prononcer son nom devant, on le voit dans bien des pays en ce moment, devant ceux qui vont peut-être vous persécuter. Et surtout dans votre vie, vous, ne méprisez pas vos petites obéissances. Ne méprisez pas vos petites obéissances. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie, tout va bien. Peut-être que c'est plus compliqué. Peut-être que vous avez des petites occasions d'être obéissant avant que ce soit mis à l'épreuve. Mais ce n'est pas grave. Ne méprisez pas cela. Aujourd'hui, nos obéissances sont probablement toutes petites. Demandez pardon, peut-être, au Seigneur. Demandez pardon à quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est renoncer à une pensée un petit peu honteuse. Peut-être que ça va être prononcer un mot d'encouragement pour d'autres. Peut-être que mon obéissance, ça va être simplement de conserver la parole de Dieu dans mon cœur et lui offrir chacune de mes journées. Moi, je vous donne simplement un mot d'ordre, finalement, pour aller cette année scolaire qui a commencé il y a 2 mois, mais qui va se continuer encore. C'est commencer où vous êtes. N'ayez pas honte de qui vous êtes, de comment vous croyez, mais commencez sincèrement ou continuez à être honnête avec le Seigneur. Dans vos questionnements, dans vos réussites, dans vos manquements, en tout cas dans votre amour pour lui. Parce qu'on ne vous demandera pas quel camp vous avez fait, on ne vous demandera pas quelle église vous avez fréquenté, on ne vous demandera pas qu'est-ce que vous avez fait comme bonnes actions dans votre vie. On vous demandera, est-ce que tu as été sincère dans ton amour pour moi? Je vous invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, tu nous reprends souvent par ta parole. Tu nous instruis aussi par elle. Et Seigneur, combien il est facile de passer complètement à côté de ta volonté alors qu'on se croit être pleinement dedans. Seigneur, pour chacun présent ici, chacune présente ici cet après-midi, que vraiment tu donnes cette soif et cet amour pour toi. Et Seigneur, que tu fasses grandir par l'honnêteté envers toi aussi notre intimité avec toi. Seigneur, ces rassemblements sont précieux parce qu'ils nous redonnent du carburant. Parce qu'on sait combien c'est facile de t'adorer au milieu de l'assemblée avec tous ceux qui partagent ou ceux qui nous conduisent là-dedans.
Seigneur, je te priais pour chacun et chacune ici présente, de l'aider dans son quotidien, quand c'est plus difficile, quand il faut être respectueux envers papa et maman, quand il faut être respectueux envers les professeurs, quand il faut dire la vérité, quand il faut reconnaître que Seigneur, on ne fait pas ta volonté. Merci parce qu'au milieu de l'Ancien Testament, ta grâce et ta miséricorde résonnent. Et que Seigneur, en tant que chrétien, nous ne suivons pas une doctrine, nous ne suivons pas une église, mais nous sommes l'église. Aide-nous à réaliser que nous le sommes, quel que soit notre âge, partout où nous nous trouvons, que c'est toi que nous manifestons. Et que ce que nous suivons, c'est une personne. C'est toi, Seigneur Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, qui est venu nous sauver. C'est toi qui es notre espérance, c'est toi qui es l'objet de notre foi. Fais-la grandir dans nos cœurs, à chacun et chacune. Amen.